Bonjour, pour réaliser ce tas, j'ai utilisé le papier aquarelle noire que Action a sorti, ainsi que leur feutre gel chalk marqueur, les fins là, ils sont super, ils vont super bien sur le noir, ainsi que ça se vendait par 4, il y a 2 glitter marqueurs et 2 glitter métalliques. Les métalliques, franchement, ils sont du tonnerre sur ce noir. Alors, au crayon de papier, je fais une petite marque ronde. Voilà, on la voit. J'utilise des aquarelles métallisées. Je sais qu'Action en a fait, mais je les ai jamais vues sur le mien. Donc, ça, c'est pas de la marque Action, mais peu importe. Donc, je colorise l'intérieur de ce rond avec mon aquarelle métallique. Ensuite, je vais faire une sorte de travail de doodling, si on veut. Donc voilà, vous voyez ce que je fais avec un Posca blanc, ça va très bien sur le noir aussi. Je rejoins les petits ponts, voilà. Avec le stylo gel, un des stylos fins, les chalques craie la bleue, je reviens sur mon Posca blanc. Alors là, on fait bien attention où on positionne sa main parce que c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, j'ai pas fait plus attention que ça et j'ai tout bavé, j'ai tout. Oh là 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 là. Donc faites très attention à la position de votre main pour pas qu'elle vienne essuyer le marqueur. Donc de temps en temps, je laisse tout sécher aussi, hein. Là, avec le blanc, le chalque blanc, je refais le contour du bleu. Voilà. Avec le rose, je fais des petits pointillés à l'intérieur. Voilà. Et avec le bleu, je viens refaire un petit pont sur le centre. C'est simplement un petit travail de pont et de point. C'est pas très compliqué, hein. Là, avec un stylo vert, c'est pareil. Je vais revenir sur le blanc. Je l'ai d'abord fait au blanc. C'était pour bien vous montrer parce qu'on n'a pas besoin de faire du blanc. Voilà, à main levée, le vert se voit très bien. C'était surtout pour vous montrer au départ comment faire pour avoir le bon départ. Enfin, le bon départ. Le départ que j'ai choisi toujours. Donc là, j'avais laissé sécher. Je vous montre l'intérieur des pétales. Je vais remettre un petit peu d'aquarelle métallique ou irisée au centre. Voilà. Ça sera tout au niveau de ce travail-là. J'aurais pu le faire avec les crayons marqueurs métalliques, ça c'est vrai, mais j'ai pas percuté. Donc là c'est sec. Avec le marqueur noir, je viens refaire le contour de mon quart de rond là, pour délimiter bien pour bien le délimiter. Ça fait plus propre aussi à la base des ponts. J'en dessine un autre juste en dessous. Ça c'est fin en fait. Il n'y a même pas un demi-millimètre entre les deux. Entre les deux traits donc, hein. J'en fais un autre un peu plus espacé. Ouais, vraiment rien de compliqué, hein. En dessous, je viens en refaire un, mais en forme de vague. Au lieu de le faire droit, je fais une sorte de vague. Je vais vous le montrer après, on verra mieux à la lumière. Voilà, vous voyez. Alors, à l'intérieur des deux premiers traits noirs, je refais un trait blanc. Ça remet tout de suite, le tout en valeur. Avec le marqueur noir dans l'espace qui est un peu plus large, je fais des triangles. Donc, on dessine juste une ligne de triangle. Vous faites absolument ce que vous voulez, hein. C'est juste un départ. Je me teste là-dessus en ce moment. Voilà, donc un triangle sur deux. Je fais des rayures. Voilà. Ensuite, entre mes vagues, je fais des petits ronds et je fais des petits traits verticaux ondulés dans lesquels je fais des petits points blancs. Vraiment rien de compliqué. Ensuite, avec le rose, je viens faire un petit point entre les triangles
Et là, je fais toute une ligne de points. C'est super. Le crayon, on pose à peine que le point est marqué. Ils sont vraiment très bien. Là, chapeau. Hein. Je trouve qu'au niveau de la qualité, ils sont super. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ils fonctionnent très bien sur le papier blanc aussi. Hein. C'était simplement pour vous montrer que sur le papier noir, ils sont géniaux. Et c'est pas souvent qu'on trouve quelque chose de super du premier coup. On n'est pas obligé de passer plusieurs fois pour avoir un résultat. Donc je rajoute toujours des petits points blancs, des petits points roses. Là, entre mes deux traits verts, je viens faire des petits ponts. Donc on les fait en accéléré. Il y a beaucoup d'accélérés, sinon ce serait trop long. Au-dessus des petits ponts, je viens remplir les interstices noirs avec le vert pour vraiment bien accentuer les ponts et puis accentuer le trait vert aussi. Ils sont super fins, vraiment, je les aime beaucoup ces feutres. Vous l'aurez compris. J'essayais de ne pas le redire. Donc voilà, là j'accélère et je remplis vraiment tous les interstices. Voilà, comme ça me fait, ça donne un autre effet. Ça peut vous donner des idées aussi. Il y a des milliers de choses à faire en doodling, hein. Je suis vraiment pas une reine. Je m'y tâte tout doucement. Donc voilà, là je refais le contour avec un rose. Alors on peut y aller tout doucement. Il faut juste que le trait soit assuré. Il faut essayer de ne pas trembler. Là, je vais dessiner une sorte de feuillage, donc avec le vert. Allez hop, c'est vraiment très basique. Voilà, dans chaque arcade, on fait un petit feuillage. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Hein. Moi, je suis une vraie chèvre en dessin. Donc ça m'arrange bien. On refait une autre sorte de fleur, enfin si on peut appeler ça une fleur, feuillage. Enfin un truc quoi. Qui ressemblerait à un feuillage plutôt. Alors là, au-dessus de ma ligne rose, je viens en redessiner une seconde. Donc on y va doucement, mais on ne tremble pas. On peut y aller doucement mais pas trembler pour essayer d'avoir un trait assez net. Et quand mes deux traits sont faits, je vais venir les remplir de la même couleur, là en rose. Après, on prendra un blanc et on viendra contourer absolument tous les traits roses là, enfin cet ensemble de roses et l'ensemble de vert en dessous, pareil. Allez hop, avec du blanc, une fine lignée de blanc, ça permet d'enlever les petites hésitations. Voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus lisse. Et en même temps, ça permet d'accentuer le rose. Enfin, le rose ou le vert, peu importe, ça accentue la couleur. Donc voilà, je repasse sur tous ces traits. Et là, ce rose ne me convient pas, du moins la couleur ne me convient pas. Je le trouve trop, trop fade. Alors, je reviens par-dessus avec un métallique rose. Et là, ça me plaît mieux. Donc, je repasse. Mon rose clair, je le repasse avec ce métallique rose. Voilà. Là, je rejoins les arcades. Voilà, un trait, on essaye le toujours pareil, le plus fluide possible. Quand j'en ai fait un, j'en refais un second en dessous.
Donc je les remplis en blanc avec mon crayon rose. Je viens refaire une ligne au-dessus. Voilà, c'est toujours couche par couche. C'est comme ça qu'on monte un dos de ligne, je pense. Je pense, hein. Enfin, c'est comme ça que je procède. Alors, avec le crayon rose, je viens ligner aussi je crois, je fais trois traits dans mon blanc pour qu'il soit rayé rose et blanc. Et là, je viens accentuer un peu mon trait rose, je viens l'épaissir. Des petits points blancs entre les deux. Avec le bleu, je viens faire des petites lignes, je hachure. Vraiment hyper fin, beaucoup plus fin qu'un Posca en fait. Et je trouve ça très intéressant. Donc avec le bleu, je refais de nouveau une petite lignée de points. Avec le blanc, je viens faire des hachures aussi dans mon rose. Alors toujours, je fais attention où je pose mes mains. Vraiment, parce que l'autre fois, j'étais deg, hein. J'avais presque fini, je pose ma main, je bouge et paf, c'était pas sec, ben poubelle. Hein. Alors là, des boules. Hein. Et je viens remettre un point de blanc. Mais vraiment, on touche à peine que le point est marqué, c'est super. Dans mon rose pour le mettre en valeur. Et là, je m'aperçois qu'il y a certaines couleurs qui n'ont pas été contourées. Donc je le fais en même temps et je rajoute encore des petits points roses là où je trouve de la place. Avec le jaune, je viens ajouter un petit peu de couleur dans mon feuillage vert. Et également une ligne sur deux dans mes hachures, des petites lignées de points. Alors quand ça va trop vite, ne râlez pas. Si vous lisez la vidéo que vous voulez vraiment voir au ralenti, vous cliquez sur votre petite roue de paramètres et vous pouvez la mettre au ralenti. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Alors là, j'avais mis les pointes en rose et finalement ça ne me plaît pas. Donc je reviens avec mon noir, mon Posca noir pour refaire mes pointes en noir. Voilà. Et avec mon feutre rose, je refais encore une ligne supplémentaire. Il me semble que ça sera la dernière. Voilà. Maintenant, je fais le contour de ce qui me reste parce que ce qu'on a décoré, enfin ce que j'ai décoré, c'était le haut du tag. Maintenant, je fais la bordure sur le bas. Donc, c'est pareil, il y a 10 000 manières de faire. Voilà, là c'est sec, donc je peux le manipuler. Maintenant, on va passer au petit cœur. Alors, j'ai découpé 6 petits cœurs avec un dice cœur. Je vais vous montrer pour en faire un. Ma Versamark, bon, elle est crado, mais vu ce que j'en fais, c'est normal. Hein, je l'utilise tout le temps. Allez, hop, on l'enlève comme ça, vous la voyez plus. Donc, Versamark, poudre embossée. Et je crois que je dois mettre 3 couches. Je n'en montre qu'un parce que... Franchement, les autres n'ont aucun intérêt. Les 6 seront faits de la même manière. Donc, après, je chauffe. Quand c'est encore chaud, je recouvre de ma poudre embossée. Hop. Je réchauffe.
Et quand c'est encore chaud, je remets une couche. Je réchauffe. Et voilà, on obtient un très joli glacis. Donc voilà, les 6 sont faits. Maintenant, je vais utiliser le fil métallique qui vient du même magasin, toujours Action, hein, le fil métallique tout fin là. Je vais en couper donc 3 morceaux. Cherche ma pince. Voilà, 3 morceaux. J'ai préparé des petites perles aussi. Ça, c'est des petites perles Miyuki, mais perles de rocaille, ça doit aller. Vous mettez ce que vous voulez en fait, hein. Peu importe. Donc, mon fil, je vais venir le prendre en sandwich entre deux cœurs. Donc, je mets de la colle. Là, il faut quand même une colle qui tienne bien. Je pose mon fil métallique. Je laisse bien déborder sur le bas du cœur. Et bien sûr, en haut, je viens poser un autre cœur par-dessus. Voilà, il est pris en sandwich. Je fixe avec deux pinces. Enfin, je fixe, je maintiens avec deux pinces et je fais pareil avec les autres cœurs. Donc, on aura trois cœurs, trois embellissements cœurs, si je puis dire, que l'on va laisser vraiment bien sécher avant de les manipuler, sinon c'est mort quoi. Donc voilà, on met la colle, hop, la brindille, le fil qu'on laisse dépasser, on fixe avec deux pinces et on aura nos trois embellissements cœur. Et voilà, là c'est ma cata. Mes embellissements sont secs, seulement encore une fois je me suis fait avoir. J'ai pas fait attention à la position de mon téléphone et il filmait dans le mauvais sens. Bon ben voilà. Quand c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière. Donc j'ai enfilé des perles. Voilà, on enfile des perles. J'ai dû en mettre, je sais plus, 5, je crois. Je coupe l'excédent de fil que je trouve. Voilà. Et l'extrémité, je viens avec une pince la tournicoter en une sorte d'anneau pour qu'elle ne soit pas blessante. Et à partir de ce moment-là, on pourrait très bien rajouter un charm dessus, mais bon, moi j'ai décidé que non. C'est juste pour faire l'arrêt. Voilà. Donc je fais les trois de la même façon. On va dire que le plus long, c'est d'enfiler les perles. Quand on a des vieux yeux, on voit moins bien. On coupe l'excédent. On fait la petite boucle pour bien terminer déjà l'embellissement et pour pas se blesser par la suite. Voilà. Alors, pour placer nos cœurs, on prend ou une grosse aiguille ou un poinçon. En fait, ce que j'utilise, moi, on utilisait ça dans le temps. Enfin, les dames utilisaient ça sur leur chapeau. C'est une épingle à chapeau. C'était pour fixer des choses sur leur chapeau. Donc, je fais trois trous puisque j'ai préparé trois cœurs. Alors là, on perce où on veut, hein. Où vous avez envie. Une fois que mes trois trous sont percés, je vais mettre du washi tape dessus pour fortifier un petit peu cet endroit-là. Voilà, une fois que les trois morceaux sont posés, je vais également les transpercer, évidemment. Un petit coup, hop. Voilà. Et maintenant, je vais passer mon petit fil à travers. Là, je garde la longueur que je souhaite pour le devant. À l'arrière, je coupe l'excédent de mon fil de fer et je viens le fixer à l'arrière
avec un autre morceau de washi tape. Donc j'ai procédé de la même manière pour les trois cœurs. Évidemment, comme je ne suis pas dans le bon sens, je suis hors champ. Super. Vous voyez rien, mais bon, je fixe simplement le morceau de fil de fer avec le washi, ce qui fait que sur le devant, voilà, on l'a vraiment en 3D, en volume, et on pourra le placer comme on veut, on pourra jouer avec. Donc, je fixe les trois fils à l'arrière de la même manière, les fils métalliques, et ça sera consolidé encore par la suite. Voilà, je vais venir recoller le tout sur un fond en carton bien épais avec une colle de qualité, comme ça je suis sûre que ça ne bougera pas. Et je vous montrerai à la fin parce que là j'ai pas pris le temps de le coller pour pas que la vidéo soit trop longue, je l'avais fait sur le premier. Donc voilà, après vous, les cœurs, vous pouvez les placer comme vous voulez. Vous pouvez complètement les aplatir pour les envoyer, par exemple, par courrier à une copine. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Gros bisous. En fin de vidéo, je vous mets la photo du cœur, terminé. Voilà, là, il est entièrement terminé avec le petit ruban. Gros bisous. Bye bye.